Bonjour à toutes. Bon, ben écoutez, je vais vous faire ma petite vidéo du jour. Enfin, je dis pas que je vais faire des vidéos tous les jours, hein, mais là, j'en ai encore une à vous faire. Déjà pour remercier certaines personnes, je vais vous montrer. Déjà pour vous situer, on est mercredi. Ce matin, on est parti au Tréport et on a été manger une petite crêpe sur le port avec Coco et les filles. Et puis on s'est promené. Et on était au Tréport et on est repassé par Dieppe. J'ai fait un petit détour. On est passé par Dieppe. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'étais à la maison du tissu. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est pas que j'ai plus de tissu, hein, parce que j'en ai encore, mais forcément, on a été à la maison du tissu, ben, on a craqué. Mais avant, je vais remercier d'abord Madeleine et Christelle, qui m'ont souhaité mon anniversaire et qui m'ont envoyé une petite carte comme ça. Voilà. Merci Madeleine et Christelle. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Voilà. Je voulais remercier aussi. Alors, Coco, elle a eu un colis de la part, hein, de la part d'Elsa. Et elle m'avait mis, Elsa m'avait mis une petite carte avec un petit mot très gentil. Donc, merci Elsa. Voilà, petite carte comme ça. Très mignonne. Alors, ça. Et j'ai reçu aussi de Marie-Claude. Elle m'a renvoyé. Merci Marie-Claude. Donc, elle m'a fait une petite carte comme ça. Et dans l'enveloppe, il y avait, je vais vous montrer. Ça fait une petite semaine que j'ai reçu, mais je n'ai pas eu le temps de montrer. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai fait autre chose. Donc elle m'a envoyé c'est du biais, rose comme ça. Voilà. Enfin, c'est du. Attendez, je dis que c'est du biais, c'est pour faire du biais, parce qu'il n'est pas, il n'est pas formé. Mais bon, je vais le former, il n'y a pas de souci. Voilà, elle m'a fait un petit modèle là. Alors merci Marie-Claude. Donc j'avais ça dans sa petite enveloppe. J'avais des petites plumes comme ça. Voilà. Et il y avait aussi dans la petite enveloppe, c'est pareil, du tissu pour le. C'est du biais qui a formé. Voilà. Rouge. Voilà. Donc merci Marie-Claude. Je remercie encore, je l'ai remercié hier déjà, mais comme j'avais tout mis ensemble, mais j'ai fait que la remerciement de Christine, je vous la remonte. Elle m'avait envoyé une carte de Canet Plage, c'est ça? Canet Plage, oui. Et dans son enveloppe, elle m'avait fait aussi un petit cadeau, mais je vous l'avais déjà montré hier, mais je vous le remonte comme je montre ce que j'ai reçu. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux petits achats. Aux petits. Non, on va passer d'abord. Hier, Coco, elle me dit. Enfin, hier, ça fait déjà plusieurs jours. Elle me dit tu pourrais pas me faire des pochettes pour mettre mes masques propres et mes masques usagés. Donc, comme vous êtes sans savoir, j'en avais déjà fait. Là, je refais cette forme-là. Alors, d'un côté, vous avez les pressions marron, c'est pour les usagers. Et de l'autre côté, vous avez les pressions blanches, c'est pour les neuves. Donc là, au lieu de mettre un scratch au milieu, j'ai fait tenir avec des pressions. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc j'ai mis. Attendez, je vais défaire. Vous entendez le clac? Il y a bien les pressions. Donc vous voyez, j'ai mis deux pressions de ce côté, deux pressions de l'autre. Et comme ça, pareil sur l'autre. Et comme ça, on les attache ensemble. Elle a ça dans son sac. Et voilà. Hop. On claque, hop, on claque. Bon, il y a encore des petits bouts de fil, hein, mais ça, moi, les petits bouts de fil, voilà. Et l'intérieur, je lui ai doublé avec des petits pois comme ça, voilà. Donc, hop, hop, ça lui fait ces deux petites pochettes et ça se défait pas, voilà. Ensuite, donc je vous disais qu'on était au marché du tissu. Alors, je vais commencer par vous montrer celui-là. Bon,
Il est quand même assez cher, hein, pour, j'en ai 1,40 m sur 60. Mais c'est un tissu assez souple, mais qui imperméabilisé. Voilà. Donc moi, je pense que je vais me faire un sac avec ça. Je ne sais pas encore comment. Alors, il est dans les tons taupes. Voilà. Les tons taupes. J'ai de quoi me faire quand même un bon sac. Hein. Voilà. Peut-être que je ferai, je ne sais pas encore, mais je vais étudier ça pour faire un sac. Ça me plaisait. Bah c'est 15 euros quand même le coupon de 1,40 m sur 60. Mais il me plaisait. Et puis bon. J'ai trouvé, parce que j'ai une commande de petites pochettes Père Noël. Donc j'en avais plus assez et j'en ai trouvé du comme ça. Voilà. Alors, je parie qu'il est à l'envers. Bah oui, forcément. Voilà, je vais vous le montrer plus. Voilà. Donc Anne-Marie, si tu passes par là, tu verras le tissu que je vais faire tes pochettes. Voilà, ce qui fait bien Noël. Bon, vous allez me dire, déjà les pochettes de Noël, j'ai 6 mois pour lui faire, mais je vais lui faire. On en a commandé 4, je vais lui faire. Voilà. Donc j'ai acheté ce tissu-là, parce que j'en avais pas assez pour lui en faire 4 dans le tissu qui me restait. Et j'en ai pris 2 coupons. Alors c'est des coupons de... C'est quand même pas mal, hein. Je peux pas vous dire. Oui. J'en ai au moins 2 mètres sur 1 mètre... 2 mètres sur 1,20 m au moins. Donc 2 fois. Donc j'ai largement de quoi faire des pochettes. Donc je vais lui faire ça. Voilà. Coco, bah forcément, est passée aussi dans le rayon tissu. Et elle m'a acheté celui-là, Merry Christmas, c'est avec des Mickey. Voilà. Il est super beau aussi celui-là. Voilà. Je vous laisse le regarder. Voilà. Coco veut que j'y fasse aussi comment? Des lingettes, vous savez, des lingettes pour démaquillantes. Donc elle m'a trouvé un éponge, mais elle est super douce cette éponge. Voilà, une éponge blanche. C'est pas l'éponge des serviettes éponge, hein, c'est une autre éponge et c'est super doux. Donc je vais lui faire des petites pochettes, des petites lingettes comme ça. Il faut que j'y fasse encore des masques et puis pour ma nièce, pas pour ma nièce, pour ma petite fille aussi. Et ma petite fille s'est trouvée un tissu parce qu'elle se met à la couture aussi. Et elle s'est trouvée ce joli tissu comme ça. Voilà. Il est super beau celui-là. Donc je ne sais pas ce qu'elle va se faire avec. Ça va être la grande surprise. Mais je le trouve super beau. Et j'ai mon téléphone qui sonne. Il est là. Ma Coco va répondre, hein, tant pis. Voilà. Et voilà nos petits achats de la journée. Donc, bah, vous voyez, j'ai de quoi faire encore. Non, bah, je répondrai après. Et je continue de parler avec Coco. Voilà nos petits achats de la journée. On est parti ce matin, il devait être 10 h. Donc, comme je vous ai dit, on a été sur le port, on s'est promené. On voulait aller au marché aux poissons, mais il était fermé. Parce que. Ben, je sais pas, il devait rouvrir vers 2 h ou 2 h 30, je ne sais pas trop. Non, c'est pas. Moi, je pensais que c'était le mardi qu'il était fermé. C'est pas le mercredi. Enfin bon, je ne sais pas. Donc là, il était fermé à l'heure qu'on est passé. Donc ben, j'ai dit, ben, on va repartir sur Dieppe. Et puis bon, voilà, on est reparti sur Dieppe. Bon, ça fait comme 30-35 km entre Dieppe et Ultréport. On était au magasin du tissu, puis voilà, après on est rentré. Maintenant, je vais me mettre au travail. Il est quelle heure? Bon, il n'est pas tard, il est 4 h 30. Je vais me découper ce qu'elles ont besoin, les filles. Et puis voilà, ça va passer encore la journée. Mais alors, par contre, ce qui est le plus dur, c'est que demain, Coco s'en va. Elle prend le train demain matin, elle rentre chez elle et moi, je me retrouve toute seule. Donc, bon, de toute façon, je savais, hein, je sais très bien qu'elle n'est pas là pour tout le temps. Mais je suis contente quand elle arrive. Mais je suis pas contente quand elle part. Donc, je vais m'occuper, je vais bien trouver.
Donc demain matin, je les emmène à la gare parce que là, je ne fais pas le voyage, je ne vais pas jusqu'à son adresse. Et puis, voilà quoi. Et puis, donc, elle prend le train demain matin à 8h moins le quart. Hein. Donc, debout tout le monde de bonne heure. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou à toutes. Et puis, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis, moi, je vais me mettre au boulot. Je vais découper. Je vais faire mes petites bricoles. De toute façon, j'ai de quoi m'occuper avec tout le tissu que j'ai, tout ce qu'on m'a envoyé, tout ce que j'ai acheté, tout ce que Corinne a acheté. Je pense que j'ai de quoi faire pour un moment. Voilà. Mais bon, je ne vais pas faire que ça non plus, hein, parce que les lotos vont reprendre. Je ne sais pas pour combien de temps, mais ils reprennent. Donc, je pense que bah déjà la semaine prochaine, j'y vais. La semaine prochaine, je vais au loto de Forges-les-Eaux. Voilà. Donc, bah maintenant, j'arrête mon blabla. Merci à toutes. Merci Christelle, Madeleine, Christine, Marie-Claude. J'en oublie. Je sais plus. Enfin, je sais plus. Bon, bah, merci à toutes. Et puis, à bientôt. De toute façon, je vous referai une vidéo de ce que je fais. Allez, bisous!